Allez, c'est parti, on recommence. Salut Choupi, comment tu vas? Ah, Xelor 151, t'as pas de sort qui pousse. Ouais, c'est vrai que ça va pas être marrant du coup. Ouais, mais je crois que ça compte pas, Demper. Pour ce que je fais. Je pense qu'il faudrait que je mette un ébène. Je pense à l'ébène parce que... je me fais perdre des PA et des PM en détaclant le Tengu. Je dois passer le donjon pour pouvoir avoir accès au coriandre. Si tu fais le Tengu plus Fuji, à mon avis, ça compte pas, non? Dans le succès Tengu. Ça doit être un autre combat, non? C'est comme le compte à rebours double boss? Je sais plus. C'est faire mettre une collante ici et un mousquet. Ah, ici d'ailleurs, dernier souffle, ça aurait été pas mal. Peut-être envisager le dernier souffle T2 pour récupérer la vita plus vite. Ah, remarque, je viens de penser à ce que je viens de dire vis-à-vis du bloc multi. Du coup, ouais, ça me semble assez logique en fait avec le bloc multi. Ah, je viens de capter un truc là. Dommage. On n'a pas le même placement vu qu'il y a un aléatoire sur les invocations. On a le boss Deloc, certes, mais... on perd une bombe, quoi. Il peut rien faire d'autre que taper en diagonale. Du coup, je crains rien. Ah, mais j'ai pas promis en faisant ça. Remarque, je fais statue, c'est déjà peut-être pas mal. Il arrive à one shot invoke ou c'est juste qu'il tape fort? En vrai. La seule diagonale de la Camille est là. Une diagonale qui s'ouvre. On fait quoi le chat? Je valide le combat ou c'est pas beau? Parce qu'il n'y a pas le premier. Si je vous demande, je connais déjà la réponse, mais...
Ouais, ce qu'on veut, c'est faire le score tutu en vrai. Hein. Ah, c'est pas validé. C'est pas validé, c'est pas validé, c'est pas validé. Hop. Bon bah au moins, on va pouvoir aller faire notre corion de tutu. Statue du haut. On va dire que c'est bien, mais...